Tu voudrais devenir maître Pokémon. Tu es prêt à tout pour qu'enfant que j'arriverai au bout du parcours. Je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. J'ai réussi à maîtriser tout ton chemin. Les Pokémon que j'ai croisés, je détiens le pouvoir dans ma main. Nous vivons dans un monde de Pokémon. Et chaque jour qui passe est un défi à relever. Nous vivons dans un monde de Pokémon. Et pour gagner, je dois prouver que personne ne peut m'égaler. Tu es prêt à devenir maître Pokémon. Tu es prêt à tout pour qu'enfant. Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 7ème épisode de Pokémon version Ash Gray. Dans l'épisode précédent, nous avions affronté Dani, nous avions obtenu le badge Ruby des Mers. C'était pas très facile, mais c'était un peu plus facile que le badge de l'autre là. Je sais plus comment elle s'appelait, la fille. Sissi, voilà. Et on va se diriger vers les îles Pamplemousse aujourd'hui. Parce que là-bas, voilà, les Grapeberry Islands. Islands. C'est les îles Pamplemousse. Il existe donc 7 îles Pamplemousse qui sont recouvertes de pamplemousse, c'est pour ça qu'on les appelle les îles Pamplemousse. Voilà, j'ai bien regardé l'animé. Il y a une sortie là. Eh ben non. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent cette série, mais je suis quand même très content de la poursuivre parce que j'avais mis du temps en fait. L'épisode d'avant, je l'avais fait le 7 juillet, 7 ou 8 juillet. Là, on est actuellement à 25 août. Donc il y a un petit peu de temps d'attente. Je préfère privilégier le défi de l'amitié, tout ça. Mais je continue cette série, hein. Je l'avais dit, de toute façon, je la ferai, je vais jusqu'au bout. Hein. Et donc voilà, je t'ai attrapé la main dans le sac, je pense. Red-handed, donc ça veut dire la main rouge en gros, mais je pense que ça doit être, je t'ai attrapé la main dans le sac. Donc tu pensais que tu pouvais juste venir ici et voler tous nos pamplemousses après avoir travaillé si dur pour les faire pousser. Ah mais, elle s'appelle Ruby. Mais tu n'es pas le voleur des pamplemousses? Oh, je suis désolé d'avoir agi comme ça. Mais il y a pas longtemps là, il y a des gens qui sont venus, ils ont volé nos pamplemousses. J'ai travaillé tellement dur pour les faire pousser sur ces îles. Je ne peux pas supporter que de les perdre, d'en perdre un seul. Ils sont un peu comme mes enfants, tu comprends? Donc je dois en prendre soin d'eux. Je sais que en fait c'est pamplemousse, mais peut-être que... Oui c'est pamplemousse. Je sais pas comment on dit pamplemousse. Ah si, on dit pomme l'os il me semble. À moins que ce soit pomme l'os, c'est une autre... comment on appelle ça? Pas une race, mais une autre... je trouve plus le mot. Pas matière, une autre... Je sais plus. Bref, je connais le voleur de pamplemousse. Il est sur une de ces îles. Si tu le trouves, s'il te plaît, bah, fais-moi signe. Quoi. Une autre. Bah, le voilà, le voleur. C'est fini. Comment ça s'appelle, punaise? Je sais plus. Il y a différentes sortes. Je sais pas si c'est sorte que je voulais dire, mais bon. D'autres sortes. Eh, mais on dirait que ce Ronflex est le voleur de pamplemousse. Il est bien fait. Ah bah en même temps, le Ronflex, on l'avait dans Ruby et Saphir, dans Rouge Sugar Fire, donc le récupérer. Celui qui dormait là, vous vous en souvenez. Il n'y a rien pour l'arrêter. Ronflex mange beaucoup, beaucoup trop. Et il va dévorer toutes les pamplemousses de l'île, tout entière. T'es dans un sort Pokémon maintenant. Peut-être que tu pourrais l'arrêter et de le manger. S'il te plaît, essaye. Alors dans l'animé, il le capture. Il le capture, donc logiquement, on va tenter. Ça va pas être facile. Non mais... Ça va pas être facile du tout, je regarde un petit peu les Pokémon. J'ai repris Diable, donc qui était Dracaufeu. Pourquoi? Parce que il a Dracaufeu en fait, et il l'utilise dans un des épisodes. Donc c'est bien de l'avoir. Ça pourrait être sympa de le confuse. De le rendre confus. Ou Seismic Toss, ça peut être pas mal aussi. On va plutôt faire ça, je pense qu'il m'écoute. Enfin j'en sais rien en fait, non je crois pas qu'il m'écoute. On dirait qu'il... On dirait qu'il a mangé ou qu'il va manger. Je pense qu'il a mangé toutes les îles. Toutes les... Bah oui, il a mangé toutes les îles. Il a mangé toutes les baies de l'île. Peut-être qu'il va me dormir maintenant. Qu'est-ce qu'il fout? Mais genre... J'arrête d'aller...
Oh non, je ne pensais pas que ce ronflex savait nager. S'il te plaît, suis-le et arrête-le avant qu'il mange toutes les baies de toutes les autres îles. T'inquiète pas, je te suivrai. Jusqu'au bout. J'ai écouté une musique, je suis à fond. C'est Amis pour toujours, il me semble, ou Ensemble pour toujours, je sais plus. Jusqu'au bout, nous serons ensemble. Oh là là, elle est magnifique. Limite, elle larme à l'œil. Je pense que vous la connaissez, c'est la musique de la saison 1, bah, qui est dans la saison 2 également. Non. Ah, c'est une autre île, ça? Ah oui, je croyais que c'était la même. D'accord, mais le gars, il va nager un peu de partout. Scandaleux, ça, scandaleux. Ah ouais, donc il y a bien 7 îles pamplemousses, on va devoir se les farcir. Voilà. Ah d'accord, il va pousser pour me... Eh, arrête de manger toutes les baies, Ronflex. Je vais t'attraper. Je sais pas si c'est parti là, en fait. Il y a un chemin ici? Non. Peut-être par là. Mais oui, ici... Ici, on dirait. Ici. Eh, reviens là, Ronflex. Si tu continues, je vais finir par t'attraper. Tu m'entends? Alors, est-ce que vous aimez cette série? Bah, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Dites-le moi dans l'espace commentaire, parce que c'est un peu ce qui me manque sur cette série. C'est que, voilà, c'est un jeu en anglais, c'est un jeu sur une ancienne génération, donc forcément, les gens, ça les intéresse moins. Mais... Ça reste quand même très proche de l'animé, très fidèle. Et moi, genre... Oh, la Pokéflûte. Ah non, super bonbon. C'est cool ça. C'est cool. Je sais pas où il faut aller, gauche, je pense. Je sais pas combien d'îles on a fait là, ça doit être la quatrième. Non, attendez. Non, c'est pas par là. Hein. Non, là je viens de le faire. attendez, je suis perdu. Donc celle-là on va le faire. Ah, ça doit être celle-là. Mais non, on peut pas y aller. Non, c'est pas ça. Pourrait, je pense, enlever les Pokémon dans l'eau. Ah, attendez, c'est une blague. Je peux en aller, moi. Mais il est parti où? Oh, Ronflex. Peut-être qu'il est revenu sur la première île, hein, qui sait. Kiss. Je peux pas surfer à cet endroit-là, il y a quelque chose qui bloque. Ah, mais il est là! Bizarre. J'adore. C'est trop bien fait. C'est des petits détails qui donnent du charme au jeu. C'est ces petits détails-là, en fait. Vous avez entendu ce que j'ai entendu? Ah, ça y est! Il mange. Bah, il est content, quoi. Nangreed. Ah, je sais plus ce que ça veut dire. Il dévore l'île. Il dévore The Island of All the Pueblo Babies. Toutes les baies de... tous les pamplemousses des îles. Can't anything stop it? Oh, mon doudou! Il me semble qu'il est capturé. Ah, voilà. Ah, il dort peut-être. Ce serait marrant qu'il dorme direct. Oh là là, énorme! 60. Je pense qu'on peut tenter le... Il doit avoir plus de 60 PV. Ah non. Ah non, non, non. Hein. Ah non, 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 non. Oh putain, saleté dans la coffre. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je sais plus. Le rendre confus, ça peut être pas mal. Ah, Dracaufeu, tu gères pas. Bon, normalement, il amène pas Dracaufeu, il doit amener Pikachu, vous voyez. Mais bon, le truc, c'est que avec Pikachu, je vais le défoncer à une attaque. Il a ronflement. Donc, autant. Il doit avoir Isogresse, il me semble, qui divise par deux les dégâts eau et feu. Ah non, c'est glace et feu. Donc, il a mis de laser glace, je peux peut-être lui en faire. Bon, il dort.
et il est confus, c'est pas mal ça. Ou peut-être Body Slam. Non, on va rester sur du Ice Beam. Je devrais pas le mettre KO. Hein. Ok, il est confus. Et il se blesse, très bien. Aïe, ça fait mal. Alors, sac. Bon, alors, attendez, le tenter l'Hyper Ball. Il me semble bien qu'il le capture. Hein. Il le capture justement pour qu'il arrête de tout manger. 1, 2, 3. Allez, blesse-toi encore une fois, ça serait cool. Non, mais t'as rien compris. Le mec qui refait. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, on t'en veut pas, Rouflex. On ne t'en veut pas. 1, 2, il est confus longtemps. Je trouve qu'il a là il a vraiment atteint le maximum de la confusion et je peux même pas le rendre confus encore une fois parce que tout simplement il est confus là, il est censé être encore confus en fait. Tant qu'il a pas marqué, il n'est pas confus. Oh là, mais au début il est trois fois il est sorti, après deux fois il est sorti et maintenant une fois il est sorti. Donc la prochaine fois normalement il sort direct. Oh, il m'a paralysé. Comment ça? Oh, vu qu'il m'a paralysé, il ne peut pas m'endormir. Ah, c'est fort ça. Ah, ça c'est, vous voyez, c'est des trucs qu'on découvre. Parce qu'il m'avait fait bâillement, donc normalement ce tour-là j'aurais dû dormir. Mais vu qu'il m'a paralysé avant, eh ben non, je dors pas. Eh ben, vous savez quoi, c'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal du tout. Allez, s'il te plaît Ronflex, fais un effort. Non mais voilà, c'est ça. 3 fois, 2 fois, 1 fois et 0 fois. Ah, par contre, je risque de le perdre si je ne fais rien. Allez, moi je dis que mon prochain tour est quand même confus. 1. Allez, blesse-toi. Voilà. C'est bien ça. Ça m'augmente mes chances de capture. Allez, Sacha, capture-le. Et dans l'anime, il capture du premier coup. Hein. Je veux pas dire, mais. Bon, ça va. Les capture. Alors bon, on va l'appeler Ronflex. C'est dans l'axe. Dans cette génération, non, mais j'avais mis un minuscule, il me semble, le reste, donc on va rester en minuscule. Ronflex. Ah ben Sacha, est-ce qu'il a... On me semble qu'il capture vraiment. Bon, s'il capturait, j'ai regardé cet épisode il y a quelques jours, mais j'oublie tellement vite. Il est bouleversé que vous ne soyez pas resté en dehors, enfin resté éveillé justement pendant la chanson et il s'enfuit en colère. C'est cool. Bon, maintenant qu'on est là, il faut aller où? Donc maintenant qu'on a fait les, non, qu'est-ce que je fous moi? Maintenant qu'on a fait l'événement des cils pamplemousses, on va se diriger vers l'île. Bananana, bananana, banana split. Oh yo. Ah mince, c'est un combat. Faisons un combat, c'est content contre une fillette, enfin une nageuse. Elle envoie Sidra, c'est que c'est. Ah, toi tu dors. Tu es un peu nul. Ah, il est dans mon équipe. C'est vrai. Mais je crois qu'il est. Dépose au PC, je sais pas. Je sais pas trop comment ça se passe. Allez, tonnerre! C'est KO ça. Donc, ouais, prochain événement, prochaine île, l'île Bananas. Banane! Ah non, Banana Split! Pas Banane Split, ouais, bah oui, forcément. Banana Split. Bon, c'est sympa, hein. C'est sympa, on va. Je sais pas, est-ce que vous aimez la Banana Split? Moi, j'aime bien. J'aime bien la banane en fait. Bon, les combats, hein, on a tellement de niveaux d'avance que ça sert un peu à rien d'y faire. Ils nous ont mis là pour, bon, au cas où. Voilà, Moro Island, donc ça doit être ça. Sûrement, je sais pas pourquoi il a appelé Moro en fait. Mais ça doit être ça. Alors, on va les soigner. On va déposer Ronflex, parce que normalement il l'utilise pas dans son aventure.
Et on va continuer. Alors je sais plus ce qui se passe, hein. Je me souviens plus exactement, donc on va redécouvrir ça. Déposer. Lui il me souvient un peu en fait, le drac au feu. Hop. On va simplement switch avec l'Oclass, voilà. Et on y va. Borough Island. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolé, le musée est temporairement fermé. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Oh, il est trop bien cet épisode. Cet épisode est vraiment, vraiment trop bien. Le trophée de la vieille, enfin de l'ancienne Ligue Orange, que nous avions vous savez, en vitrine, voilà, ici, a été dérobé. Il semblerait que des voleurs l'aient cassé la nuit dernière et l'aient pris. Je suis désolé, mais tu devras retourner. D'accord, ok. Je pensais que je voulais. En fait, dans l'animé, on voit quand même ce qui se passe. Et on sait évidemment qui sont ces voleurs. Alors, non, ce n'est pas le Ronflex cette fois-ci, mais quand c'est. The Twerp! Le morveux! We don't know anything about any championship trophies. Justement, il y a eu les championnats de Pokémon il n'y a pas longtemps. Nous ne savons rien du tout sur le trophée des championnats. Du championnat. Et si nous le savions, nous ne l'aurions certainement pas volé. Oh! Il pensera jamais qu'on l'ait pris. Yaous. Laissons tomber. Allons-y. Let's scram. Dégageons. Déguerpions. Déguerpir. Déguerpissons. C'est comme ça qu'on dit. C'est le plus petit déguerpisson, je crois. Vous allez voir. Cet épisode. Bah, là, en tout cas, l'animé était vraiment beau. L'animé, il m'a bien plu cet épisode. Les épisodes qui me plaisent un peu moins. Mais quand ça parle un peu de sentiments, d'histoire, tout ça, l'épisode me plaît forcément, en fait. Après, je sais pas si vous avez vu cet épisode. Je vous invite à le voir, il me semble que ça doit être l'épisode de... l'épisode 15, un truc du genre. De la deuxième saison. Alors, putain, je suis un fou, en plus je fais un rendu en même temps que je joue. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Attends, on dirait un coquillage, s'il te plaît. On dirait, bon, on voit à peu près ce que c'est, hein. Mais je fais quand même la taille du bateau. Mais quand on regarde comme ça, enfin dans l'autre sens pour vous, hein, pour moi c'est comme ça, ben on dirait un coquillage en long. Bon. Moi je propose qu'on rentre. Oh, c'est bien fait. Hein. Où est-ce qu'ils ont pu le piquer ce truc-là dans le jeu? Le bateau, donc l'océan. On doit retomber, je pense. Vous avez entendu le bruit? Boum. Boum. Snatch. On s'échange? Non, c'est pas échange. Je sais pas ce que c'est, Snatch. Non, c'est... saisie. Je crois que c'est saisie. Je suis pas sûr. Donc on est sur une épave, en fait. Nous sommes sur l'épave où le trophée à la base... Non, vous allez savoir, là je vous spoil un peu, en fait ça sert un peu à rien ce que je dis. Mais en gros on est sur un navire, une épave visiblement, qui a été abandonnée, on sait pas trop pourquoi elle est là. Mais elle est là, un peu un bateau fantôme. Et là qu'est-ce qu'on voit? C'est bien fait également. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre aux alentours, non il n'y a rien d'autre. On aperçoit donc, voilà, c'est l'ancien trophée de la Ligue Orange. Enfin ancien, antique, ancienne ça peut se traduire par antique aussi. Mais là on va dire que c'est l'ancien, genre, voilà. Voulez-vous le prendre? Bah ouais, pourquoi pas. Oh! Eh, c'est les fantômes... c'est le Pokémon fantôme, Fantominus et Spectrum. Il semblerait vous indiquer... Indicating... They don't want you to take. Donc ils veulent pas que vous preniez le trophée, justement. Mais vous ne comprenez pas pourquoi, en fait. Attends, morveux! Ce trophée appartient à la Team Rocket! Nous l'avons volé par nous-mêmes. Ben, nous-mêmes, quoi. Maintenant, rends-le-nous ou prépare-toi à te battre. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu les combats de Team Rocket, qui sont très très palpitants. Donc je vais vous les montrer en non accéléré. Attention, c'est parti. Oh, niveau 60. Je pense qu'une attaque lente va me faire très mal, mais c'est pas grave, je reste. Non, il fait stockage. Ah, c'est vrai. C'est le fameux Ampiflore stockage. Et dans la troisième génération, bah, il me semble que stockage, relâche et aval sont apparus dans la troisième génération. Et dans la troisième génération, stockage n'avait pas les hausses de stats en défense spéciale. Donc c'était un petit peu inutile. Dès la quatrième génération,
ils l'ont mis. Ils l'ont rajouté. Hausse de stats et de... De défense spéciale. Bon, vous voyez l'autre là, le excellent. On va faire Rami Pikachu. Rien à faire. Et dans l'anime, Spectrum et Ectoplasma nous aident. Spectrum et Fantominus nous aident à vaincre la Team Rocket parce qu'ils ont compris qu'on était les gentils, que eux c'était les méchants. Effet grincement, c'est pas très grave. On continue avec Tonnerre. Ah. Non, franchement, ce jeu est bien. Enfin, ils ont bien bossé dessus. Et... Donc, Son Gogo. Et franchement, ils reproduisent pour un jeu 3G. Enfin, je le redis. Je radote. Je me fais vieux. Mais voilà, j'aime beaucoup. En même temps, si je le fais, c'est que j'aime. Pas faire un truc que je n'aime pas. Est-ce que je mets carrément d'un coup le Arbok? Moi, à niveau 60 quand même, hein, je pense pas, ça m'étonnerait. Je vais peut-être mettre un peu plus comme ça, maintenant. Ouais, voilà. S'il y avait le contre... Oh, même pas! Il y avait le contre-jour tout à l'heure. Hop! Voilà. Vive attaque! Voilà, battu! Niveau 64 en plus. Même pas. Catastrophe! Le jeu de mots catastrophe et trophée. Catastrophe, si vous voulez. Ben, c'est un mot en français en fait. Bon, bref. Bien! Gardez le trophée! Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Et là, en fait, il n'y a que la Team Rocket qui s'envole vers d'autres cieux. Enfin, il n'y a que Jesse et James qui s'envole, mais Meowth reste. Parce qu'il n'a pas été envolé. Et donc il y a Spectrum qui prend possession du corps de Meowth, vous savez, des fois il le fait, pour communiquer justement. Donc le Meowth dit à travers Spectrum, enfin Spectrum dit à travers Meowth, ce trophée appartenait à notre maître. C'était un dresseur Pokémon très très bon, et il avait gagné la compétition de la Ligue Orange des années avant. Depuis qu'il nous a quittés, nous avons été fiers de le garder durant son absence. Vous pouvez comprendre, il lui appartient... Il lui appartient. C'est à lui. Et à personne d'autre. Sacha pense... Enfin, prend en compte les mots de Spectrum. Il semble être authentique. Enfin, justement, juste. Voilà. Peut-être qu'il serait, il serait mieux de laisser le trophée avec Spectrum et Fantominus. Voilà, donc en fait, le bateau, après, il me semble que... Il me semble qu'il était quand même coulé le bateau, je sais plus, non il était pas coulé, non il... je crois qu'il a plongé après, voilà il a plongé. Et donc on se retrouve ici. Alors que dit notre cher agent Jenny? Nous n'avons pas été capables de retrouver le trophée, mais le musée est ouvert. Bon, on va faire une petite visite avant de quitter. Est-ce qu'il est payant? Ouais? Allez, on suit une petite visite, pour ceux que ça intéresse. Ah, c'est le musée de Argenta, à tous les coups. Ah oui, it's a lovely painting. C'est un beau tableau. Bah oui. Bah d'accord, j'ai payé 50 pour ça. Le trophée devait être ici. Puis, si j'avais su, j'aurais pas payé pour... Je pensais que le musée allait être un peu plus beau. Et qu'il allait avoir la musique dans Emerald. Pour ceux qui connaissent, c'est Ruby Saphir. Voilà, bah c'est ainsi qu'on va se quitter pour cet épisode, le 7ème de Pokémon Ash Gray de la saison 2. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à balancer pouce vert. Ça me fait plaisir. Pouce bleu, hein, pouce... Les j'aime, voilà. Les j'aime. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je sais pas si ça sera régulier, mais en tout cas, l'épisode sortira soit dimanche, soit jeudi, soit lundi. Voilà, venez lundi, jeudi, dimanche pour voir si un nouvel épisode de cette série. Et nous, on se dit donc rendez-vous à la prochaine avec Galius. Ciao, ciao.